avouer que c'est confusant. Dans l'épisode de Cauchemar en cuisine diffusé mercredi 22 septembre, Philippe Etchebest a embrouillé un cuisinier avec des questions pourtant simples. Il était à Lixan, à côté de Valence, pour découvrir la pizzeria de Daniel, qui travaille avec son fils Stéphane. Première surprise pour le chef, une pizza à l'escargot à la carte. Je n'ai jamais mangé de pizza à l'escargot, et je n'en ai jamais vu, a-t-il commenté. Puis, il a demandé des détails au cuisinier sur un autre plat du menu, la salade drômoise avec des ravioles frites. Ils sont frits et l'ail les ravioles, a expliqué Stéphane. Oui, ravioles frites. C'est pas des ravioles et des frites. C'est juste, a demandé Philippe Etchebest. Ne s'attendant absolument pas à la réponse du cuisinier, pour moi, ça me fait un repas. Non mais c'est juste, c'est pas des ravioles et des frites, c'est juste oui. C'est juste, je croyais que vous me disiez c'est juste sur la quantité. Et pour continuer de l'embrouiller. Philippe Etchebest a ajouté, et il y a de la quantité, c'est pas juste non c'est pas juste, a répondu Stéphane, déstabilisé. Un échange lunaire qui n'a pas manqué de faire rire les internautes. Ils ont en effet été nombreux à faire référence à la fameuse scène du quiproquo sur Juste Leblanc dans le Dîner de cons. De Francis Weber, avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Je savais pas que c'était un remake du Dîner de cons. Ravioles frites, c'est juste, Etchebest qui fait un remake du Dîner de cons. Il s'appelle Juste Leblanc. C'est juste, Cauchemar en cuisine, on dirait le Dîner de cons, moment Dîner de cons. Merci Monsieur Etchebest, comment il lui retourne le cerveau, a-t-on notamment pu lire sur Twitter. Mais son prénom, c'est Philippe, c'est juste,